Le cadre dans lequel nous travaillons, bon, ce n'est pas si mauvais, mais il y a des choses à améliorer. Les conditions de travail ici, c'est pas bon. On n'a pas un logement pour le personnel. On est obligé de faire des navettes pour aller se laver à la maison. Les toilettes ne sont pas disponibles. L'hospitalisation pour les femmes, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas un homme assez de lits. Ce qui fait qu'il y a d'autres femmes qui se couchent par terre après l'accouchement. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi d'accueillir ce bâtiment. Parce que grâce à ce beau bâtiment, nos femmes vont accoucher dans de meilleures conditions. Au docteur, voilà, tu es un ami. Je suis un ami qui a été divisé. Elle est là. 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 Le hanti o va na mi ti aye sugbo do e jojinu mi imi do ape no mi si le o va na mi sugbo sugbo fini mi wa se pen ami ase abotale o va na o plein plein mi e na cuisine mi e na ishi mi e na dadu enu shan mi o kenken e va jojinu mi e khoti mi mi wa perfle tian o be na mi enu shan so gbele mi si mi do ape no e na bel mo ikuro do. Depuis la réflexion, ça me donne la joie de rester. J'ai la joie de rester. J'ai un grand plaisir à rester, même les week-ends, à ne pas rentrer, à être tout le temps là. Avec cela, à n'importe quel moment, quand on vient, OK, je suis présentée pour travailler avec la population. Je crois que ça a vraiment amélioré notre condition de vie et ça a amélioré le travail au sein de la population. Le système d'électrification qu'on nous a installé, vraiment, c'est quelque chose qui nous... et qui nous a vraiment émus. Moi, personnellement, je suis très content de ça. Et je remercie le projet Nabel qui a fait, qui nous a installé ces panneaux solaires qui nous fournissent de l'énergie. Donc, elle est magique, elle est brûlée, elle est tignée, elle est parce que vous avez tout le temps, elle est magique, ou d'aïton, elle est bien. Un changement d'aïton, elle est bonne, elle est propre. Dès que le câble est là, elle est magique, elle est bonne, elle est bonne. Nos impressions sont très bonnes. La reconstitution du centre de santé permet l'amélioration de nos conditions de travail, mais aussi de garantir les soins de qualité aux usagers du centre. Comme vous l'aurez dû constater, après la construction de la nouvelle maternité, le dispensaire aussi a été réfectionné. Depuis des années, on souffrait parce que nous n'avions pas de bâtiment. Nos populations souffraient. Mais ces derniers temps, grâce à eux, on a eu beaucoup de choses, on a eu beaucoup de changements. On a eu beaucoup de changements. Ils nous ont construit un nouveau bâtiment de la maternité. Ils nous ont construit aussi des nouveaux blocs de toilettes, de cuisine, de la cuisine. Ils nous ont repris correctement notre clôture et c'est en bonne et due forme. Et je dirais que c'est des sentiments de joie qui m'animent parce que il y a de cela quelques années, le centre de santé de Zinvier ne se présentait pas réellement comme un centre de santé. Surtout le bâtiment de la maternité. Nous, agents qui servons dans ce centre, on souffrait trop parce que ça ne répondait plus aux normes. Les bâtiments sont de vieux bâtiments. Les toitures sont perforées de par endroits. Les oiseaux, les chauves-souris ont envahi ce bâtiment. De telle enseigne que nous avons trop de peine pour évoluer dans ce que nous avons envie de faire. Mais néanmoins, on essaie de faire ce que nous pouvons. Et aujourd'hui, Enabelle a écouté nos cris de cœur et est venue implanter un nouveau bâtiment de la maternité au centre de santé de Zinvier. Ce qui a changé totalement l'aspect
de ce centre.